Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment obtenir gratuitement les logiciels faisant partie de Microsoft Office. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous guider étape par étape pour obtenir gratuitement Microsoft Office sur votre ordinateur. Ne vous inquiétez pas, cette méthode est simple et il n'y a aucun achat à faire. Il vous suffit simplement de suivre les étapes dans cette vidéo. Microsoft Office est une suite de logiciels pour la productivité. On y trouve notamment Microsoft Word, Microsoft Excel et toute une panoplie d'applications. La première étape consiste à vous créer un compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, j'ai créé une vidéo complète qui vous guidera à en créer un. Pour y accéder, cliquez sur le petit i en haut à droite qui s'affiche, ou bien rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur plus. Une fois que vous avez votre compte Microsoft, on va se rendre sur le site internet de Microsoft Office. Maintenant que vous avez votre compte Microsoft, nous allons accéder à Microsoft Office gratuitement sur Internet. En premier lieu, lancez votre navigateur Internet. Ici, je vais choisir Google Chrome. Donc, je me place sur Google Chrome et je clique deux fois rapidement du bouton gauche. Voilà, nous sommes dans Google Chrome. Dans la barre d'adresse, saisissez directement au clavier office.com. Une fois cela fait, validez votre choix en appuyant une fois sur la touche Entrée du clavier. Voilà, nous sommes sur le site internet de Microsoft Office. Maintenant, soit vous cliquez sur le bouton Se connecter, ou bien vous cliquez sur le bouton Connexion avec le bouton gauche. Donc je clique du bouton gauche. Voilà, ici, vous entrez comme indiqué votre email ou votre numéro de téléphone ou votre identifiant Skype. Ici, je vais rentrer une adresse email. Une fois qu'elle est rentrée, cliquez une fois sur Suivant. Il faut maintenant saisir votre mot de passe. Saisissez-le directement au clavier. Une fois cela fait, cliquez du bouton gauche sur le bouton Se connecter. Donc, Microsoft vous affiche quelques informations sur votre compte. Cliquez sur Continuer. Ici, vous choisissez de rester connecté ou non. Donc, si vous utilisez
souvent votre compte Microsoft, il peut être pratique de rester connecté. Et si vous ne souhaitez plus voir ce message, faites alors un clic gauche dans cette case. Dans mon cas, je ne souhaite pas rester connecté. Par conséquent, je clique sur « Non ». Et voilà, félicitations, vous êtes maintenant connecté à Microsoft Office en ligne. Donc vous pouvez utiliser toutes les applications de la suite Office, à savoir Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint et d'autres logiciels. D'ailleurs, directement dans cette zone, Microsoft vous simplifie la tâche. Par exemple, si vous voulez créer un classeur sur Excel, cliquez alors une fois dans cette zone. En dessous, vous avez les documents que vous avez récemment ouverts. Donc, il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour l'ouvrir. Mais dans notre cas, nous allons ouvrir un nouveau document Word. Donc, pour ce faire, soit vous cliquez sur Word ici, ou bien vous cliquez sur Document Word là. Donc je vais cliquer ici avec le bouton gauche. Word s'ouvre et voilà, nous y sommes. Alors sachez que toutes les fonctions standards, les fonctions de base de ce logiciel sont accessibles. Cela est valable pour toutes les applications présentes dans Microsoft Office. Donc ici, vous pouvez déjà commencer à écrire. Voilà, votre document est automatiquement enregistré dans le cloud, autrement dit sur les ordinateurs distants de Microsoft. Donc ce document s'intitule Document 5. Pour renommer, faites un clic gauche dessus. Et là, directement au clavier, on va lui mettre un nom. Mon premier document. Ensuite, pour valider ce nouveau nom, appuyez une fois sur la touche Entrée du clavier. Et vous voyez le nouveau nom qui apparaît ici. Pour enregistrer ce document, par exemple, sur votre ordinateur, pour ce faire, rendez-vous sur Fichier. Faites un clic gauche. Et là, vous allez sur Enregistrer sous. Faites un clic gauche. Maintenant, rendez-vous sur Télécharger une copie. Faites un clic gauche. Vous allez maintenant sur Télécharger une copie. Clic gauche. Et voilà, vous voyez ici en bas, c'est votre fichier qui a été téléchargé sur votre ordinateur. Donc, si je clique sur cette petite flèche et qu'ensuite je clique sur « Afficher dans le dossier », toujours avec le clic gauche,
eh bien, vous voyez que vous retrouvez votre document dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Enfin, lorsque vous avez terminé votre travail, rendez-vous sur votre profil en haut à droite. Faites un clic gauche dessus, puis rendez-vous sur « Se déconnecter ». Faites un clic gauche. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à vous proposer encore et encore des vidéos utiles. Sur ce, prenez soin de vous, merci, bye bye.